Bonjour tout le monde. Donc je suis ici dans une pièce avec une connexion 3G. J'ai mon ordinateur avec la connexion qui s'affiche et on peut remarquer que je ne capte aucune barre en 3G sur mon téléphone. Donc on capte un réseau en 2G Edge, ce qui correspond à un signal vocal, ici à moins 95 décibels. On a donc une mauvaise réception dans cette pièce. Donc sur ce mur, on peut voir donc les deux répéteurs, dont le Stelladoradus sur la droite. Donc en partant de gauche, c'est le répéteur initial. Donc à présent, je vais switcher en branchant le Stelladoradus. Donc on peut voir les LED qui s'allument. Donc les LED bleus indiquent qu'il y a bien réception des données, hein. Comme vous pouvez observer sur la gauche grâce aux LED vertes, on capte ici à 4,5 bars. Donc ce qui est bien, hein. Il y a une autre partie qui concerne une antenne qui peut se brancher à l'extérieur, mais on va laisser ça de côté pour l'instant. Donc si on revient à mon ordinateur, on voit qu'à présent donc le signal 3G est à 5 bars. Et si on regarde le téléphone, on réceptionne un nouveau signal, donc qui est un HSDPA avec une tolérance à moins 85 décibels, donc ce qui est de très bonne qualité pour le 3G. Alors, maintenant on va procéder à un test de connexion. Donc je vais sur speedtest.net, donc site internet hein, qui permet d'évaluer la vitesse de réception et de transmission des données. Donc je commence le test. Alors allons-y. Donc ça monte. Voilà, donc pour atteindre les 4,6 mégaoctets en réception. Donc ce qui est vraiment très bien, hein, on est au maximum. Et donc en émission, on est à 0,65 mégas. Donc ce qui est tout aussi bien. Donc si on revient à notre page affichant la réception du signal, et que l'on éteint le Stelladoradus, donc on voit que l'on perd le signal, donc il n'y a plus aucune barre dans la réception. Et sur mon téléphone, donc on voit que on perd en qualité au fur et à mesure qu'on revient sur la connexion 2G Edge. Et donc on ne peut pas utiliser pour télécharger. Donc si on rallume. Voilà, comme maintenant. Donc si on rallume, donc le signal revient. Hein. Le signal revient à barre pleine. Voilà. Et sur le téléphone, on va remonter en qualité. Voilà, donc on réobtient à nouveau la réception HDSPA. Donc on peut voir le répéteur sur le mur que j'allume. Voilà. Donc les 6 premières LED hein, de 1 à 6, numérotées de 1 à 6, montrent la réception du signal. Donc le signal peut dépendre de l'opérateur choisi, mais également de l'orientation de l'antenne. Donc notre antenne ici n'est visiblement pas bien orientée, puisque on ne capte qu'à 2 barres. Donc on va donc la réorienter. Réorienter l'antenne hein, donc qui est à l'extérieur. Pour obtenir un meilleur signal. Tout cela dépendant de l'orientation dépendant de l'opérateur. Voilà, donc on la réoriente. Et donc là, on capte très bien. Ne faites pas attention si une lumière rouge apparaît. C'est le récepteur qui communique avec lui-même, réduisant les gains pour protéger le réseau de l'opérateur.